Si on veut partir d'un principe simple, qui se coule. Pour un jeu qui est vieux, qui est populaire, il y a toutes les réponses sur le jeu. C'est quasi impossible qu'il n'y ait pas une réponse que tu cherches concernant un jeu. Ça n'existe juste pas, tu vois. Je reviens où, là? Ça m'a compté mi-scène, c'est bon. Ok, ça va. Je reviens pas trop loin. Il y a toujours les réponses, en fait, tu vois. C'est que tout ce qui devait être trouvé a été trouvé, hein. Quand quelqu'un dit je ne sais pas, ça veut dire ça n'existe pas. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui aurait pu te dire par A plus B ce que c'était, quoi. Bon, on va sauvegarder. Attends, j'ai le. Ouais, c'est bon. Je suis avec le stuff Jason. Plus en... je crois que ça va embêter Seiya. Donc j'ai encore plus envie de dire Jason. Alors en vrai, les camps de. Les camps de gonzesses, ils sont vachement durs. Hein. Déjà, les gonzesses, elles sont fortes. Et en plus, ils sont les animaux vénères, quoi. Oh, puis elles sont paquées. Ouais, essayons d'en aggro une pour voir. Elles en ont rien à foutre. Hein. On va essayer de commencer par l'ours, je pense. Pas... Ah, c'est pas celle que je voulais. Oui, ça c'était pas mal. Ça. Ok, ça aussi c'était stylé. Merde, putain, mais... dégage l'épée à la con. Je peux faire mes muses avec ma masse. Oh putain. Oh la vache! C'était quoi ce slow motion de ouf là? Bonne soirée, Seiya! Attendez. Putain! Eh, l'ours! Ah putain! Je vais te briser le crâne! Pour ça, tu mérites! Ah putain. Moi je te tiens. Au moins je ne vais pas m'essouffler. Ouais, crève. C'est bon? Ok. Elle a eu son compte. On est bon. Et bonne nuit, Seiya. Jason et Agé même nom et Dylan penseront à toi. Alors, qu'est-ce que je vais faire d'autre ici? Bah, c'est fini, non? Ah non, c'est bon. Ok, Argolis, on est bon. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant? Voyons voir ça. On va chasser un peu du culte. On va chasser un petit peu du culte, ça peut être pas mal. Le cucu, le tutulte, le cuculte. Et on va aller aussi vendre. Bon, la ville par laquelle je passe pour aller voir le culte. Ah merde, je les ai quasiment tous butés. Oh merde. Il faut aider les populations en Attique. Ah ouais. Ah. Possède une carrière et des esclaves en Attique. Enquêté sur l'indice pour le. Alors. T'as un œil connu. Confondu cette tâche à son travail, à la carrière et à son commerce d'esclaves. Ok, donc là il y en a un. Celui-là il est en Attique à trouver. Ok, ça c'est poursuivre l'Odyssée. Aider les populations sur Delos. Alors Delos, je crois que c'est une île. Oh, là-bas. Ok, donc si je vais là-bas, je peux en buter un.
Très bien. Lui, en Akaya, c'est quoi l'Akaya? Oh voilà, 42-46. Ok, c'est pas pour tout de suite. Lui, c'est l'Odyssée. Lui, c'est Akaya. Odyssée pour les Edaïr. Donc Delos, c'est lui Akaya. Ouais. Lui, Odyssée, je suppose. Ouais. Lui, affaiblir les îles d'Obsidienne entraînera Sokos dans une bataille navale. Qu'est-ce que c'est les îles d'Obsidienne? Qu'est-ce que c'est les îles d'Obsidienne? C'est quoi les îles d'Obsidienne? C'est pas genre Terra... attendez. Île de Citer, Messenia, Laconia... C'est quoi les îles d'Obsidienne? Ce serait pas Mykonos et Delos aussi? Ah, je sais plus. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai celui en Attique qui est chassable. Lui. Aider les habitants sur Citer. Ah. Citer, Citer, je l'ai vu celle-là. 35-39. Ok, pas pour tout de suite. Lui. Aider les habitants en Messara. On va y aller après. En Béotie. Ok. En Corinthie? What? Il est possible d'acheter un indice sur un adepte. Attends. What? Il est possible d'acheter un indice sur un adepte? Métro pour une viande fraîche. Objet associé. Enquêté sur l'indice. Ah non, mais c'est ça l'indice que j'ai eu, non? Attends, je suis perdu. Certains ont remporté un. Ah, je comprends rien. Bon, c'est pas grave. Résultat. Résultat, on va finir la tique en fait. Résultat, on va finir la tique. C'est quoi la carrière? Putain, mais on sort... Attends, elle est où la carrière? Ce serait pas ça la carrière là-bas? Oh, ça, on a une carrière. Hein. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Reprenons le bon stuff. Et je vais aller. En fait, je vais d'abord aller à Athènes. Vendre. Inventaire. On va vendre. On va voir un peu la thune, voir combien ça vaut le coup ou pas de vendre. Comme ça, boum, Athènes. En plus, j'ai une quête avec Alcibiade, une quête avec Socrate. Ouais, ok. On va aller vendre. C'est parti. Oh. Alors, tac. Hop, hop, hop. Ok. Donc. On va aller voir notre ami. Forgeron ou vendeur? Attendez, il y a un forgeron au sud. Ah, il y en a un par là. Forgeron, on peut vendre aussi, non? Je suppose, hein, on verra ça. C'est vrai que maintenant que je peux sauter en mode balai couille, bah c'est... Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi maintenant. Et ouais, si j'arrive, je peux en fait sauter et faire une attaque chargée en fait. Ça c'est le niveau 30 qui débloque ça. Elle va être vénère ma Cassandra ça. Bon, on va voir donc si c'est rentable de vendre. Un backseat payant Dragonix. Si c'est Dragonix à tort, on le conspuera. Je suis à 3700 thunes. Bienvenue. Alors, vendre. C'est parti. Vendre toutes les marchandises déjà. Oh putain de merde! LOL. LOL. J'ai pour 35 000 drachmes de marchandises que j'aurais pu vendre depuis le début en fait. J'aurais pu finir la quête de Xenia bien avant. La 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 la. Putain, je suis vraiment un sacré connard quand même. Ouais. Il y a des moments comme ça où tu te dis que t'es quand même un sacré connard. Hein. Ah ouais. Mais c'est de la merde.
Non, je suis un débile. Hein. Ouais, c'est pas faux. Je suis un débile, hein. Y a pas. Ah ouais, non, vendre, ça vaut, ça rapporte bien de vendre. Hein. Merde, je crois que je viens de. Non, c'est bon, attends. Ok, merci. Vendre, c'est bien rentable. Oh, je vais tellement pouvoir améliorer mon navire. Oh oui! Allez, la coque. Oh là là, oui, 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 oui. Alors, intégrité, javelot incendiaire. Javelot incendiaire. Dégâts, c'est intégrité faible. Je pense qu'il vit quand même mieux. Ok. On va pouvoir commencer à améliorer des trucs. Entraîner les archers leur permet de tirer, de recharger plus rapidement. Disposer de flèches plus puissantes, créer plus de dégâts. Ok. Ah, j'aime bien pouvoir enchaîner pour le coup. Hein. Ok. Ah ouais, ça commence à raquer. Hein. Le feu, c'est stylé aussi. La protection, c'est 14 000, mais c'est tellement bien. Voilà, la protection, elle est maintenant épique. De l'énergie des rameurs. Vas-y, la coque. Ah, je peux en avoir un quatrième. Oh, c'est la teuf, là. Boum. Voilà. Oh lolo. Oh, le bateau. Oh, le bateau qui va être tellement vénère. Voilà. Là, j'ai un beau navire, là. Là, on va être près de la baston navale, là. Mais je vais en recruter, par contre. Je vais commencer à me concentrer sur le recrutement quand j'aurai les PNJ légendaires. Je le faisais pas encore, et... clairement, attends, je vais le faire. Sont de continue la avance, ceci dit. Non, mais c'est vrai que je voulais équiper, par contre. Demande-moi tout ce que tu voudras. Je voulais équiper... les nouveaux gants, là. Ouais, voilà. Boum. Bien faire gaffe quand même. Hein. De toute façon, ouais, les gens là, on peut pas loin, donc c'est rapide. Dégâts de chasseurs, donc bas les couilles. Epic is life. Dégâts d'assassin, bâton, accroupi, chasseur. Ok. Allez, fabrication de flèches, d'accord. Ah, fabrication auto, oui. Oui. Ouais, du bois, j'en aurai assez. Hein. Je vais en couler, hein. je coulerai tout ce qu'il faut. Ok. Ouais, donc Draconix. Putain, mais si seulement j'avais été vendre une première fois. Oh là là. Attendez. Merde. Ah, puis c'est rapide de vendre. Hein. Ah là là, sacré. Sacré risqué. J'ai l'impression par contre que ça vend aussi le sauve-guerrier. Ah non, il doit être... je sais pas, on va voir ce qui se passe. Ah non, ok, c'est juste quand il est pas... ouais, quand ils font pas de différence, ok. Ah, putain. Graver, oui, on peut graver un truc, hein, ça coûte que dalle. Crit, frappe héroïque, vas-y, go. Coule vraiment rien. Et là, on va mettre... non, c'est pas cumulable, c'est pas grave. Tiens, tu vois, easy, là. On voit l'effet de cet avantage ne se cumule pas. Là, c'est bien écrit, noir sur blanc. Pas de doute là-dessus. Merci. Yes. Ouais, si j'avais été vendre avant, j'aurais moins galéré. est-ce que j'ai encore des trucs que je peux améliorer? Non. Il va me falloir des tablettes, c'est ça? Il va me falloir des tablettes partout, des tablettes. Ok. Bon, en tout cas, mon navire, il a pris un bon up, là. Il a pris un bon gros up. Attends, on va mettre un truc stylé quand même. J'aime bien en vert comme ça. J'ai pas de figure de proue. En équipage. Ça change pas grand chose. Ok. Donc, on a dit. Je voulais aller voir la carrière là-bas, je crois, c'est ça. On va stepper maintenant que j'ai fini ça. Ah, quel plaisir. Du.
Donc, on va aller voir, mais il y a des chances que le sage soit dans une carrière là-bas. Sauf que c'est pas une carrière devant du tout. On va explorer l'attique, écoutez, on va vider un peu l'attique. On a des quêtes à faire. C'est immense l'attique en plus. Massif, plein de sacrés. Attends, il y avait un autre indice ou pas sur lui? C'est lequel? Ah, l'attique. Un polémarque de fort de l'attique connaît la dette. Il faut le trouver ou poursuivre l'Odyssée. Ah! Et lui, un adepte. Ok, donc il y a deux trucs vis-à-vis de l'attique ici. Ok, on va vider l'attique, le chat. Allez, mission. Pour le coup là, mission, on vide complètement l'attique. Et ça veut dire, le chat, que si j'ai pas encore trouvé le polémarque de fort, c'est-à-dire qu'il y a un gros fort qui nous attend en attique. Et ouais. Et ça, c'est stylé. Bon, bah, on va faire un peu de point d'interrogation, là. Comme ça, là, ça va contribuer à trouver des membres du culte du cosmos. Ferme incendiaire. Alors... Attendez. Il y a du monde, point. Il est où, le trésor? C'est la même chose, non? Je sais pas. Détruire le silo... Non, c'est peut-être pas les mêmes, ça. Bon, on verra. Tu prends des risques. Ok, bah écoute... Ah non, mais c'est relou, là. Non, finalement, je prends pas de risque, écoute. Hein. Mes risques sont calculés. Il est où, le coffre? Donnez-moi la thune. Je veux de la thune. Oui, j'aime l'argent. Donnez-moi de l'argent. Bon, bah, c'était pas du tout une carrière. Échec complet. C'est un échec complet, cette histoire de carrière. Attends, carrière du... Ah! Carrière de marbre du mont... Pentelikos. Et c'est pas celle-là? Bah, y'a pas plusieurs carrières. C'est étrange, histoire. Putain, la tique, c'est grand, quand même. Hein. Y'a pas de point d'interrogation, là-dedans? Ça m'étonne, cette histoire, le chat. Attendez. Pourtant, je me rappelle avoir trouvé un indice quand j'ai fait la carrière de marbre. Bon. On verra une fois que j'aurai fini la tique. Et donc, en plus, ça tombe bien, il faut que je tue un polémarque space... Partial, donc, je suppose. Je sais pas s'ils seront Athénaos partial par la tique. Voilà. Nouveau lieu découvert dès qu'il y a. Ah merde. Ah oui, mais c'est vrai que c'est une ville, si c'est normal. Bon, on va aller faire la quête Hater, ça se trouve, ça va peut-être m'aider à trouver des indices. Hein. Campement de Dekelia. Alors, qu'est-ce qui se passe de beau ici? Cassandra? Ah, on se connaît? Par les dieux, Hitor, c'est toi? Tu as l'air vieux, mon ami. Ah bon? Quand ai-je vu pour la dernière fois? À Kefalonia. Ce travail pour Marcos. Rappelle-toi,
nous nous sommes battus dos à dos, cernés par des pirates. C'était ta faute. Bim ! Ils étaient là, c'est parce que tu les avais trahis. On a eu de la chance de s'en sortir vivant. Bah, ils nous avaient payé une misère. J'avais entendu dire que tu t'étais établi dans la tique. Je m'attendais à ce que tu meures une arme à la main, pas à ce que tu ouvres une échoppe. À ce propos, j'ai perdu la lame que je pensais emporter avec moi. J'aurais besoin de toi, si tu es prête à aider un vieil ami. Tu parles de Harpé ? Tu adorais cette lame. Un Malaka de commandant est venu et a exigé que je répare son épée. Comme je n'ai pas pu, j'ai dû lui fournir une autre arme. Et il a choisi la mienne, celle qui était accrochée au mur. Allez. Je te rapporterai Harpé. Ne fais rien de stupide. Je veux juste cette lame. Tu me connais. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Oh, tu peux être inquiet, mec, hein. Il faut que je parte. Rappelle-toi qu'on ne veut pas d'ennui. Faufile-toi et prends-la. Tu sais encore comment faire, n'est-ce pas? Je ne m'abaisserai même pas à te répondre. Trouver et prendre l'épée d'Aitor. Ah! Ok, je pense que j'ai trouvé le fort. Qui dit fort dit donc la quête, et la quête dit donc le... Enfin, qui dit quête dit fort, et fort dit l'indice sur le polémarque. Mais donc ça veut dire aussi que... carnage. Ah bah, carnage, hein. Ça, c'est... Ça, c'est obligatoire, hein. Ça va être une boucherie, hein. De toute façon, qu'est-ce que ça... S'ils sont tous morts, techniquement. Si c'est un gros fort, on va pouvoir peut-être faire un défi. Hein. Après, la Star-ci, je sais pas qui reste encore. On verra bien. Tududududu. Ne fais rien de stupide. Ah, c'est... Run. Meilleure raison de farmer les points de chaîne. Oh, 113 000. Oh, oh, le joli fort. Oh, il est pas mal. Oh, il est pas mal. Est-ce qu'il y a des gens qui sont chauds pour un défi sub? Pour me faire encore hacker les subs? Parce que pour l'instant, vous avez quasiment rien à perdre. Hein, c'est moi qui perds à chaque fois. Mais je suis joueur. J'aime bien tenter les choses. Seule chose dommage dans le jeu, c'est qu'on peut pas réellement prendre parti pour les Spartiates ou les Grecs. Bah, t'es un mystios, hein, techniquement, justement. Après, si en théorie... ouais, non, ça c'est compliqué. Forteresse de filet. Hein. T'es un mystios, t'es une mercenaire. Hein. En plus, toi, t'es d'un côté, t'es descendu de Spartiates. Forteresse de filet. Ah. Si Aitor a raison, l'épée s'y trouve. Alors. Oh, bordel. C'est parti. Le scan du... Le scan de l'enfer, là. Oh là là. Le scan qui m'a trahi tout à l'heure contre Selarc. Quel enfer. Ça m'embête, ça. Alors, scan du démon, là. Ça y a rien raté ce coup-ci, hein, parce que bon. Bon. Ça a l'air bon. Personne. Eh ben c'est parti alors. Here we go. Commence bien. Il y a peu de gens pour un fort, dis donc. C'est une forteresse pourtant. Qui veut dire des thunes aussi. Hein. Bon, le polémarque, il est là. Je peux pas le one-shot, je suppose. Ouais, non. Oh, le Spartan. Oh, le Spartan. Oh.
Ils sont bien paquets en fait, les gens là par contre. Ça va être sympa de les séparer. Ah. Ah. Réparer les armes, cette épée, c'est l'œuvre d'un artisan de talent. Je pense qu'ils vont se séparer naturellement. Parce que la torche, en fait, ils deviennent suspects. Attends, à la limite, ça peut le faire, mais d'abord je piège le feu. D'abord je piège le feu. Oui, le feu. Voilà. J'ai quand même très envie de tenter le one shot du polémarc. Hein. Ce serait stylé. Hein. Vas-y, c'est pas grave. Juste pour le fun. Oh oui. Kritos, c'était là. J'ai l'impression qu'on fait plus facilement les crits quand ils sont allongés. 220 000 en crit. J'ai eu l'indice sur la dette. Le polémarc est mort. Beautiful. C'est juste beautiful. Quel plaisir. Je regarderai sur l'indice sur la dette après, hein. Je vais d'abord vider le camp. Le jour est en train de se lever là. C'est la merde ça. Chut, fais dodo. Le jour est grave en train de se lever. C'est la merde ça. Putain, comment on y va là-bas? Merde. Huh.